Ouais, je veux dire, nous les pilotes interstellaires, on est habitués à ce genre de truc. Faites pas gaffe, c'est Maurice, c'est le con. Arrête de tirer dessus, il est déjà mort. Il est con, c'est Maurice, quoi. Les sorties dans l'espace pour défendre un point A ou un point B, pour nous, c'est tout le temps un petit peu pareil. Alors, les mecs, ils nous ont dit, on a fait un truc spécial pour vous et je vais vous le faire voir aujourd'hui. Ouais, dans ce jeu. Comment il s'appelle? Je sais pas, moi, je vais pas payer pour ça. On est dans Starlight, Eye of the Storm, et vous allez voir, c'est trop génial. Parce que ils m'ont promis de tester un nouveau chasseur. Avec une technologie exclusive. Oui, madame. Oui, monsieur. Oui, les animaux aussi. On y va. Oui, j'ai relevé la visière parce que de toute façon, je suis dans mon cockpit, je suis en sécurité, je suis safe dans ce nouveau type de chasseur, vous allez voir ça. J'ai le choix de l'utiliser en campagne. Oui, c'est bizarre pour un shmup, je sais. On est dans un shmup stratégique, hein, vous allez voir. Ou en mode arcade. On va l'utiliser d'abord en arcade parce qu'on est des petits curieux. En mode normal parce qu'on est des petits curieux normaux. Quand soudain. J'aurais dû regarder les options pour savoir comment on pilote cet engin. Et là, on me montre que le Starlight a des missiles EMP. Avec une portée assez courte, ou je rêve? Bon, peu importe. Étrangement, vous noterez qu'on vous précise la hitbox. Serait-ce un signe? Oh! Oh! On va faire l'homme naïf, car l'homme naïf n'a jamais tort. Oui, le vaisseau par défaut, c'est parti. On ne m'a toujours rien expliqué, les amis. Les gars, il n'y a pas de manuel sur votre vaisseau. Comment je fais pour connaître les nouvelles fonctions? Oh, bon, d'accord, une surprise. Ça, c'est mon vaisseau. Et je vais faire un tutoriel, puisque j'ai pas trouvé le manuel. Pan, 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 pan. Alors ça fait du bien déjà. Oui, je sais. Je suis un pilote, moi. Je suis pas là pour réfléchir. Ah, ça s'arrête plus. Oui. Donc voilà la nouvelle technologie de ce vaisseau, une technologie inédite que vous n'avez pas encore sur Terre mais qui est assez exceptionnelle puisqu'elle me permet de tirer à 360 degrés dans ce shmup qui va pourtant, je pense, m'imposer des défis le monde. Oui, je n'en doute pas. Pourquoi j'ai crié? Parce que le son est trop fort! Ce passage dramatique n'est pas dramatique, j'ai appuyé sur le bouton de... Ah, merde. J'ai appuyé sur le bouton qui était censé faire la pause, mais ça n'a pas marché, car j'ai vu que le son braillait chez vous. Et je vais corriger ça tout de suite. Donc vous avez tout compris? Mon vaisseau peut tirer, mais il peut aussi, hop, se mettre en mode drift. Et oui, comme ça, les coquilles nous venant de nulle part et de peu partout, bah, elles sont surpris que je sois prêt à les attendre. Because I'm a gros malin. Ah, presque. Alors ça demande un petit temps d'adaptation. Parce qu'on se dit, ouais, il y a une subtilité. Ça c'est sûr, il y a une subtilité les gars. Je voudrais pas spoiler, mais voilà. Lui, il faudrait l'allumer quand même, ce serait bien. Parce que je crois qu'il cherche un peu là. Alors le mode rotatif est pas tout le temps dispo. Je présume qu'il y a une jauge à remplir en récupérant différents éléments qui me permettront d'être plus fort, plus grand, plus puissant, plus beau, mieux coiffé et sentir bon la naphtaline. Ah, c'est en option le dernier truc. On laisse passer, on laisse passer, c'est des prétentions, regardez-moi ça, ils ont rien dans la tête. Vas-y, 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 fais-moi rire. Hop, hop, hop. Non, je ne cesserai plus de tirer jusqu'à la fin des temps. Ah, je crois que je vais me faire piéger par les boulettes si je reste trop au milieu, les gars. Alors, c'est un poil fouillis, hein. Ça, j'en conviens. Moi-même, il y a des moments, je me dis, qu'est-ce que tu fous là? Est-ce que c'est vraiment le moment d'y être à cet endroit? Tu sers un peu à rien, quoi.
t'es comme la deuxième biscotte sur une tartine. Enfin, sous une tartine. Regardez le l'autre énervé là-bas. Alors apparemment, ma jauge n'est pas assez remplie pour me permettre de m'orienter à nouveau. Si c'est la panique totale à bord, pas du tout. Puisque je gère, regardez. Hop. Faut pas passer là-dedans, monsieur. Je vais être obligé de me le faire comme ça, lui. Alors, je pense qu'il y a peut-être une touche pour ralentir, je ne sais pas. On va aller voir dans un manuel détaillé, je pense, dans pas longtemps, les gars, parce que c'est... Je crois qu'il y est, là. Il y est, là. Il va nous quitter. Il est prêt à partir. Si c'est le souk total, non. On se croirait dans un petit tohu, en fait, vu que les boulettes vont pas très vite, mais qu'elles sont mélangées. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner quand j'aurai droit à des patterns avec des boulettes qui... Ça a l'air sympa, ça. Qui vont faire varier les vélocités. Oui. C'était une bonne idée d'être dans ce coin, je pense. On va peut-être s'occuper de là-bas. Non, si, oui, non. Alors là, je regrette qu'il n'y ait pas un vaisseau qui aille plus vite. Ça va être chaud. Allez-y, allez-y, cherchez-moi les gars, je suis par là-bas, vous m'avez presque, c'est magique. Look at the magic of the power point, c'est pas une présentation Excel, oh, non plus. Monsieur K, qu'est-ce que tu fous au milieu de cette merde? Enfuis-toi. Ah, t'y poussé, reste pas au milieu, t'y poussé, ah, le petit poussé, il y en a plus là. Capoute. Est-ce que j'ai bien fait de choisir un angle rotatif là maintenant tout de suite? Non, mais vraiment non. Parce que j'ai fait des trucs pas bien. Oui, je me confesse aujourd'hui, c'est le stream confession. Et j'avoue que... Je crois que je fais beaucoup de pas bien là-dessus. Et toujours avec mon pad qui dérive à gauche. Si ça me sert d'excuse, un peu, mais voilà, on rigole déjà beaucoup, je trouve. Alors le jeu est marrant, je pense que je vais faire quelques parties, le temps de m'habituer un peu à ce phénomène supranormal qui est la fonction qui permet de pivoter. Et puis, histoire de faire aussi un petit peu l'émission. Je crois que là il cherche, c'est temps de s'énerver. Si j'ai une super bombe, j'ai toujours pas essayé les amis, honnêtement. Alors j'ai mon drift, je me rappelle plus où il est. Ça doit être ça. Ouais. J'espère pour moi, quoi. Parce que si c'est pas ça, je vais avoir mal. Des cadeaux. Un peu de calme. Oui, ça nous fera du bien, du calme aussi. Monsieur K a survécu à cette vague. C'est pas garanti pour la suivante, les amis. Du coup, ce shmup qui, au premier abord, passe un petit peu pour quelconque et on se dit, on va s'ennuyer dedans. Bah, propose quand même un gameplay qui est rafraîchissant, on va dire, sans être révolutionnaire, et qui fonctionne de surcroît. C'est surtout ce qu'on lui demande. Est-ce qu'on fait du shopping? J'ai un tir primaire, un tir alternatif, et des upgrades. Attends, reviens, Pépère. Et les sides. Moi, j'aime bien les sides. Je sais pas pour vous. Des roquettes, ça peut être bien. Oh yes. Et on peut les upgrade, ok. Et je vais. Ça c'est side, donc on s'en fout. C'est mon primaire que je vais améliorer. Que je peux upgrade ou échanger avec ça. Ah, vous me connaissez, je suis un peu vicieux. Mais est-ce que j'ai le droit de l'upgrade? Ce serait magique. Oh merde! Bon, on va voir ce que ça donne déjà avec ça. Est-ce qu'on regarde les autres choses? Oui, le drift. Va falloir que je m'en occupe. J'en avoir besoin dans pas longtemps, je pense. Et j'ai complètement zappé quelle touche c'était. Faudrait que j'aille voir dans les options. Ce serait bien, ce serait fait. C'est mieux quand ça gueule pas, quand même, non? Ouais, je suis d'accord. J'aime pas dans les fins. Hop, hop, hop. Alors, tirer. Drift, Y. Voilà, Y.
Mais c'était. Ah, il y a un spécial sur le X, c'est pour ça que j'ai jamais déclenché de méga bombe. Moi, c'est en général sur le B que j'appuie. Désolé. Allez, c'est parti, ratata. Regardez-moi ça, cette couverture d'écran. Si je ne m'en sors pas, c'est que j'ai pas envie. Je suis pas motivé. Mais en toute logique, je devrais cramer ces têtes d'œufs en moins de temps qu'il n'en faut pour dire œuf. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit œuf. Alors à un moment ou à un autre, il faudra que je m'enquérisse quand même de la valeur des joyaux que je gagne en flinguant des ennemis. Ça pourra m'être utile. Alors je protège toujours le côté droit, j'ai décidé. C'est comme ça. Comment ça, ça gueule toujours? C'est pas grave. Il n'y a pas l'utilité pour l'instant de pivoter. C'est tranquille comme le disait l'autre. Comme disait Bill. Oui, Bill, tranquille. Toujours. Elles sont très rigolotes, ces boulettes qui ralentissent. Elles partent à fond la caisse, elles vous donnent l'effet, mais elles s'entassent en bas de l'écran. Et c'est assez rigolo. J'ai bien fait de prendre ce tir, je suis heureux. Alors, euro de chez euro avec un Z majuscule. Ça fait du bruit, hein. C'est mieux qu'on arrête. Pour parler. C'était l'instant parler. Ah, c'est fini. On n'aura plus jamais, les amis. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Ça a bardé là-haut. Vous m'avez fait une sale blague, les gars, je trouve. Hein? Calme, calme. J'ai même pas de méga tir. Si. Ce fut laborieux. Comment ça, c'est pas fini? Bah ouais, mais je fais ce que je peux, les gars. Oui, j'ai enclenché cette commande innovante dont je suis le seul schmeupeux de l'univers à avoir possession. Et on va lui tourner un peu autour à ce cafard. Je sais pas, j'arrive. Oh. Hop, 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 calme ta wesh. J'aurais jamais dû me mettre là, moi. Qu'est-ce que je fous ici? Il va bouger encore. Ouais, non, mais c'est... Je crois qu'il est un peu de colère. Il va remettre le couvert, c'est obligé. C'est un feu d'artifice, c'est pas un boss. C'est un feu d'artifice réellement. Le jeu, en fait, plus j'avance dedans, plus je le trouve rigolo, du coup. Parce que c'est surprenant comme gameplay. Au début, on se dit ça va être tout con. Et puis regardez, mine de rien, les patterns sont pas mal, ça s'entrecroise. Ah, bye bye le bonus. Et ça vous demande une gym différente de celle dont vous aviez l'habitude. Et il faut gérer cette petite jauge qui n'est toujours pas de la jungle. Et non, on n'est pas dimanche, c'est samedi là, quand j'enregistre. Et c'est vraiment rigolo. De surcroît, on peut jouer à 3 en même temps. Alors ça, c'est un truc très très marrant. Et original. Et vu la vitesse des boulettes, je pense pas qu'elle va augmenter beaucoup au fil du jeu. Par contre, les matrices de boulettes, elles, risquent de commencer à se compliquer un petit poil. Oh là là. Plus quoi rattraper entre les bonus, les tirs. C'est un petit peu la foire au Slipe. Oui, le Slipe, ce fameux device divin qui équipe les meilleurs vaisseaux spatiaux, tout le monde le sait. Et qu'on trouve dans les foires. Oh, il est vénère. Je crois que c'est un duel. Ah, c'est un duel. C'est vraiment original. Et un jeu duquel je n'attendais absolument rien, je pense qu'on va en dire des trucs sympas à force là. Et les schmeupeux, ça va les intéresser. Parce qu'il y a une approche qui est quand même vraiment très très rigolote. Et qui fonctionne, mon Zeus. Mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là, mets-toi là. Ah non, mets-toi pas là. Tourne-toi. J'ai plus d'énergie pour l'aligner en tournant. Ah, moi, les cadeaux.
Je disais donc, ouais, le jeu risque d'intéresser les schmeupeux à plus d'un titre. Parce que ça change pas mal de choses sur la donne. Et il y a des habitudes qui partent à la poubelle. Est-ce que je baisse le son? C'est encore une bonne option, je pense, parce que je crois que ça gueule. Allez, bah on continue, hein, tout le temps qu'on nous propose. Est-ce que je peux enfin upgrade ce truc? Ce serait magnifique. Start. Upgrade, 22 capsules. Regarde-moi ça, elle est pas belle la vie. Hop là. Est-ce qu'il y avait des upgrades ici que je pouvais pas prendre et que maintenant, soudainement... Ah, attirer les trucs, ça pourrait être bien, ça. Trop cher. Oh. Très bien, on est équipé, il n'y a pas besoin de plus. Monsieur K, c'est la finesse, avant tout, vous le savez tous. Oui, non, je rigolais même pas. J'étais parfaitement sérieux. On y retourne. Alors j'ai ma méga bombe à gauche, mais je trouve qu'elle a une réaction assez bizarre. Je crois que c'est un truc qui est très localisé, il faut vraiment que je sois à côté des ennemis. Oh, calmos les gros, j'ai pas commencé à tirer moi. On tire pas tant que j'ai pas commencé moi. Oh. Ça va parler, nom de Dieu. Où qu'il est colère, les. Regardez, il a le frangin là. Ah, plusieurs frangins. J'ai bien fait d'acheter cet aimant à diamant, moi. Hein. Oula, s'il y a des boulettes aussi qui laissent, faut faire gaffe. Allez les gars, amenez-vous. Je suis chaud là. Hop hop hop, doucement. On va garder les tirs concentrés là-haut. Ça me fera plus de place en bas pour me battre. Et faire différentes choses avec différentes créatures spatiales que j'aurais rencontrées. Et de toute façon, il faut qu'on mélange nos races, intergalactiquement parlant. Pour arriver à créer un meilleur futur, puisqu'apparemment, les gens qui baissent sur la même planète sont condamnés à s'autodétruire. Ce sera le dicton TBG du jour. Oh putain, ça va être le bordel. C'est pas mal ça. Je voudrais bien utiliser mon arme qui tue là, qui fait mal. Je vous fais mal les gars, je vous fais mal. Il faut que je vous frôle, c'est nul. Ça m'inquiète quand même comme utilisation d'armes, c'est assez étrange. Lui, on va le calmer comme ça, je crois. Y a plus que ça à faire hein, de toute manière. Wow. Alors faudra que je leur dise à la base que ça file un petit peu le tournis de piloter comme ça, hein, et que le sac à Baomi n'étant pas présent, j'en ai foutu un petit peu plein le cockpit, soyons clairs. C'est toujours très fort le son, c'est pas grave, ça sera une chronique ratée, hein, ça peut arriver. Je peux remédier à ça. Hop là, micro-coupure invisible, c'est la magie de la technique derrière, sur le bon de montage vidéo. Oui, le son a été baissé. Parce que le tata-tata est vraiment pénible, on va dire, hein, sur la durée quand même, faut avouer. Qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi je me suis mis ici? Mais espèce de taré, sors-toi de là! Oh là. Oh oh, calmos les missiles. Non, calmos on a dit. Non, mais oh. Johnny, bravo Johnny. Pas bravo, non. C'est un dessin animé, ça n'a rien à voir avec les shmups, ça, tu te calmes. Les bonus ou la vie? Là, faut choisir. Hein. Ah, c'est un peu le bordel, là. Merde. On y arrive. Faut y aller tranquille. Alors dommage pour les bruitages. Parce que ça gâche un peu le titre et ça casse un peu beaucoup la tête. Pour pas grand chose. Oh les grappes qui me balancent là. Calmez-vous les gars, calmez-vous, regardez. Est-ce que je m'énerve? Non, P.
personne s'énerve. On est tous des petits quoi? Eh oui, c'est ça, des petits Fonzie. Bien, tu regardes des bons films, toi. Faut que je ramasse des diams. Que je redéclenche. Dès que possible, allez hop. C'est genre maintenant. Et on tourne dans l'autre sens. Allez, c'est parti, on tourne dans l'autre sens. Dommage, j'avais du public. Je n'ai pas touché le fanion pour avoir un tour gratuit. Est-ce que ça va bien se terminer? Non, je ne crois pas. Ça va se terminer d'une manière dramatique. Dans le sang, la tôle froissée. Et le petit bonhomme dans l'espace qui a plus de quoi respirer. Malgré qu'il se soit éjecté à temps. Ça ne suffira pas. Alors lui, avec son lance-flamme, il casse bonbon quand même, le gars. Hein, on va dire ce qu'il est. Ratata, ratata, ratata. Attends, bonhomme, bonhomme. On va clarifier les choses. J'ai une bombe à bord, moi. Tu fais gaffe. Non, mais je peux m'en servir. bah voilà. Bah, et qu'est-ce que je dis? Les mecs, on leur dit, on leur répète, ils écoutent rien. Oh. J'ai cru qu'il y était passé. Oh non, non, non. On va l'aligner d'ici, hein, ce sera plus safe. Et il est parti. Monsieur. Ah bah reviens. On s'amusait bien quand même. Non? Un peu? Allez. Pour l'instant, on se fait de mal ni l'un ni l'autre. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Et je vous interdis de rigoler. Ah, il y en a encore. Il avait un frangin. Ils sont vénères dans la famille, je crois. J'arrive. Attends, je me recharge en truc, là. Ah, bah, ah, il y a des vélocités différentes, si vous regardez bien, comme j'avais demandé. C'est gentil de répondre à la demande du public. Mais je préférerais mieux que tu crèves. Genre, mec, crève. Maintenant. Oui, c'est maintenant que tu crèves. Eh oui, je te le dis. Ça va être long, ça va être super long, les gars. Bah, surtout que je veux pas me laisser flinguer, quoi. J'ai des viewers, moi, madame. Eh oui. Oh là là, l'air, hein. Ça va jamais finir. On va mettre une méga bombe. Si je peux. Allez. Un peu de bonne volonté, il va y aller. Monsieur, le petit massage réglementaire, c'est pour vous. C'est pour vous. Oula, l'armor plate, vite, faut que je me barre. Mais il y en a encore. Mais comment il fait? Il est increvable, ce truc. Je vais être obligé d'abdiquer parce que j'ai pas compris comment on flingue le boss. Non, mais vous me faites pas ça, les mecs. Je prends des bonus. Je suis un fou. Il s'est barré. Oh, les gens, faudra m'expliquer. Je suis désappointé total. Trop de sensations. Ah, mais qui voilà? Il veut pas crever. Monsieur? Ah, il va falloir que quelqu'un se décide. Moi, je veux pas mourir, perso. J'ai pas. Bah, je suis pas venu avec l'intention d'eux, hein, déjà. Si tu regardes bien. Toi non plus, mais. Disons que quelqu'un d'autre va jouer à ma place, donc tu reviendras. C'est ton tour de crever, on va dire. Sois d'accord, non? Allez. Fais pas le. On sait que tu peux y arriver. Ah putain, je fais de l'âme. Désolé pour le vocabulaire qui est parti un petit peu en sucette, mais il me désespère là, le gars. Donc on va y aller comme ça, hein. Apparemment, j'ai vu que ça marchait bien. Faut juste que je redescende quand il y a ma plate qui est en train de partir en live. Et il veut pas crever. Il veut absolument pas. Il n'a aucune envie, aucun désir. Regardez. C'est un happy lifer, quoi. Il va me foutre le bordel jusqu'à l'an 4000. Qu'est-ce que je peux y faire, moi, là? Hein? Je pose la question. À part faire le couillon, comme ça, en faisant des jolis spirographes. Oui, souvenez-vous, le spirographe, cet appareil merveilleux, qui a éduqué des générations complètes... Aïe! Des générations complètes de gamers à... Pas faire ce que je suis en train de faire, là. C'est dégueu. Ne faites pas ça chez vous. Il veut pas crever. Je suis sûr qu'il veut pas crever. Il ne montre aucun désir morbide. C'est ça mon gros problème aujourd'hui. Et je suis comme un couillon à tourner. Désespérément. En essayant de trouver un point faible ou une lacune ou quelque chose qui me ferait des vacances.
Parce que là, il me fait tourner ce couillon. On se croirait dans une partie de tennis où t'as le mec au filet et... La Mega Nuke, elle est bien aussi. J'avais pas utilisé la touche de droite, je vous signale au passage. Et je vais donc me resservir de cette Mega Nuke. Pourquoi j'ai été attiré? C'est quand même pas mon joystick qui a fait ça, les gars. Comment ça s'abarde? Un peu, ouais. Ouais. Player invulnérable. Oui, j'ai un peu balancé deux bombes d'affilée, mais il faut pas le dire. Personne n'a rien calculé. Hop, discretos. Ce boss, mes amis. Alors, il va falloir apprendre à maîtriser les boss, comprendre comment ils fonctionnent, leurs points faibles, et trouver les remèdes à leur appliquer. J'aurais eu l'idée d'utiliser mon missile sur la touche de droite bien plus tôt. Il serait mort également bien plus tôt. Oui, je dis mon nom pour que les gens se souviennent de moi, parce que je crois qu'on verra... Enfin, je ne verrai... Vous le verrez peut-être, le bout de ce niveau. Moi, non. Oh, c'est plus lent en cadence. Et une certaine assurance dans la destination des tirs. C'est ce qui me rassure. Regardez-moi ça, si c'est pas pratique. Moi, j'aime bien pour l'instant. On va voir quand je me ferai saturer si je frime autant. Ah, il se braque pas au bon endroit, zut. C'est assez fourbe l'autoguidage comme ça, parce que du coup votre vaisseau va choisir ses cibles, pas vous. Et il y a des moments où vous ferez « Aïe bobo, c'était pas ça que je voulais qu'on flingue en priorité, bonhomme. » On va pas s'entendre à la fin. J'ai une cadence de tir qui est vraiment lamentable, ça c'est clair. Mais ça me laisse le temps de trouver des placements appropriés sur l'écran. Comment ça, le son est encore fort? Non, ça vous me le ferez pas croire. On n'entend plus que ma voix normalement maintenant. Et les tatata bien au fond, qui me font mal à la tête, vous avez pas idée. Ah, je crois qu'il est pas content là. Ah, quand ça va se croiser les deux patterns, ça va être marrant. Hop, 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 hop. Oui, j'avais retenu mes super armes parce que je me disais, garde-en pour après. Et on va presser start pour continuer et on va retourner dans cette purée de petits pois. Ah, il les évacue parce que je fais pitié. Je leur mets quand même un petit missile au passage pour... c'est les félicitations du patron, quoi. Il balance des mines, ça va être ma fête. Pareil, quand ça va se croiser tout ce petit monde, j'ai intérêt à être au bon endroit de l'écran. Genre, par là peut-être. Ouais, c'est pas mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal du tout. On va laisser le bordel passer, puis on va s'inquiéter de qui on flingue après. Alors j'ai enclenché le tir rotatif là, mais je suis pas certain que ce soit une judicieuse idée. Mein Gott. Il va bientôt y avoir des labyrinthes en boulettes, je crois. Ah, c'est un petit peu ça hein, quand même. Regardez, si je veux aller là-bas, faut passer là, voilà. Je prends un faux air détendu pour épater la galerie, quoi. Il me plaît bien ce shoot du coup. Je suis vraiment content de parti d'un truc qui présentait sans payer de mine réellement. Arriver à ce genre de machin. Oui, c'est un machin quand même, on va en convenir. Quand vous expliquez à quelqu'un qu'il va faire un shooter où ça tire verticalement essentiellement, mais pas que, il va commencer à baisser un sourcil. Après, quand vous lui direz que c'est rotatif à 360 degrés, là, il va vous prendre pour un ouf, quoi. Soyons clairs. Oui, la famille des shooteux est très, très habituée à des choses. Il faut pas trop la brusquer, sinon... Ah, sacrilège, quoi. Ah, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, Figaro. Ouais, Belzébuth, tout ça. Drift pas, mon joystick, s'il te plaît. Sois sympa. Allez, on y va. C'est l'heure. Mais tire sur lui, pas sur le reste. Oh, mon dieu, je comprends rien, ce truc. Allez, un petit missile dans la gueule, ça calme tout le monde. Allez, hop. Elle nettoie, cette chose-là. Le missile à tête nucléaire est vraiment un missile à tête nucléaire.
Y a pas mensonge sur le truc. Oh les mines, je me suis fait avoir, j'ai pas regardé assez tôt. Oh yo 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 yo, je me suis fait désintégrer. Non, on s'en fout du rocher là les gars, y a un mec en face, visez ça plutôt, là c'est mieux déjà. Je crois que l'intelligence artificielle de mes autoguidés est complètement à la ramasse. Lui, il va me ramasser ça déjà. Bim! Ah ben, j'avais dit. Regardez sa barre de vie. Il rigole là, le mec. Il se fait. Le mec, en face, il est en train de me couper les ongles des pieds, mais il s'en rend pas compte. C'est tout ce qu'il fait. Hop, hop, hop. Attends, je reviens là-bas, moi. Hello! Oui, c'est moi encore. Eh oui. Je crois que ça va un peu barder dans pas longtemps là. Non, c'est bon. Ah, il y a encore un morceau. Il y a encore un morceau, je crois qu'il s'est réajusté son truc. Bonhomme, on avait dit que t'étais. Ah, une nouvelle barre de vie, comme c'est sympa. Le laser. Ah non, les flammes. Ouais, c'est un peu dans l'esprit quand même. 000, faut vraiment que je flingue là-bas quoi. Alors c'est vraiment rigolo quand on prend le temps comme ça et qu'on voit. Ah, c'est pas trop tôt que tu bouges toi, canaillou. Va. Mais quand on prend le temps ouais, de voir les valeurs de dégâts, on a tout de suite l'info de où c'est qu'il faudrait plutôt qu'on se trouve. Plutôt c'était le chien, oui je sais. On me l'avait dit ça. Bon pour l'instant j'ai pas encore fait de grosses bêtises, ça va, mais ça va être encore très très long je pense. Donc, m'en voudrais pas pour le petit missile bien placé et le suivant qui va suivre également là. Ouf, j'ai pas eu le temps de le tirer. C'est un détail technique, mais il a une certaine importance quand même. On va lui en mettre un là-bas quand il reviendra. Monsieur, oui, c'est bien, viens là, pose-toi, vas-y, tranquille. Hop, hop, hop. Oui, je me suis décalé trop tard. Bien trop tard. Regardez-moi ça comme ça descend à 2 à l'heure ces trucs. Donc c'est la partie vraiment perturbante du jeu. Parce qu'un boss qui a des parties qui descendent aussi peu rapidement, c'est pas fréquent. On va essayer d'accélérer les choses là parce que c'était fatigant. Ah mais il y a encore quelqu'un qui tire mais de où? Eh les gars, il veut pas crever votre truc. On va l'appeler que l'appelle Orio l'increvable. Ah bah voilà, c'était lui, l'increvable. Le fameux, le si réputé increvable. Qui était là, qui ne voulait pas mourir. Alors que pourtant, on l'invitait à faire ça hein, depuis le début. Faut que je me méfie de son petit truc en feu là, parce que ça a l'air de rien, mais... Attends. Doucement. Doucement, on avait dit. Toujours pas le game over fatidique. Ah, le prochain sera fatidique, je le dis déjà. Merde. Alors, les petits missiles sont vraiment difficiles à aligner. C'est terrible. Oula, j'ai pas... Je regardais le bonus en haut, moi. J'étais déjà en train de rêver. Eh bien non, je mérite pas de continuer. Parce que j'étais bien mauvais, faut l'avouer. En tout cas, si vous commencez à vous ennuyer sévère dans les shmups, je vous recommande de à plus ça, c'est pas mal. Je vous recommande de jeter un œil à ce Starlight, Eye of the Storm, qui est un shmup un petit peu conceptuel, on va dire. Et qui est assez marrant parce que ça change les habitudes totalement. Bien qu'on retrouve des choses qui sont communes à d'autres titres, bien évidemment. Et dans un gameplay qui, au début, on se dit, c'est quoi cette cochonnerie? Et puis regardez, petit à petit, c'est plus de l'envie. On souhaite réellement maîtriser un peu le truc. Parce qu'il y a des patterns qui sont quand même bien chiadés. Playlist, bouton d'abonnement. Et moi, je retourne un petit peu m'entraîner dans ce Starlight. Ciao.